Nous, on a, считай, второе. Yaroslav et son équipe viennent d'Ukraine. Ils ont parcouru plus de 2300 km en voiture. Et pour sa deuxième participation, le pilote, qui est avocat, n'a pas hésité à débourser 6000 euros. Positivement chargée atmosphère. J'adore l'atmosphère qu'il y a ici. Vous savez, on est au Touquet, la course a lieu le long de la plage et franchement, même si c'est très physique, c'est que du positif. Yaroslav a été deux fois champion d'Ukraine. Il vient ici pour gagner, mais au moment des vérifications... Normalement, c'est devant ici, mais ils ont mal lu le règlement qui est en français. Mais on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Effectivement, il a suffi d'un bidon découpé pour fixer le fameux autocollant. Cette année, l'enduro accueille 105 pilotes étrangers, dont 3 émiriens, mais aussi des Russes et surtout... pas mal de Hollandais. J'ai des amis qui avaient fait la course il y a 2 ans et ils m'ont dit qu'il fallait vraiment que je vienne. Alors voilà, allons-y. Let's try it. Chris vient lui d'Oxford en Angleterre et il est un fidèle de l'enduro puisqu'il participe pour la 10e fois. Pour nous, c'est vraiment le début de la saison ici. Ça nous permet de maigrir un peu après Noël. D'ailleurs, ce soir, les Anglais l'ont promis, ils iront se coucher tôt. Mais en attendant... Good luck, boys. We're going to win tomorrow.